Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous de très bonnes vacances. Là aujourd'hui je vous propose la recette de beurre clarifié fait maison. Et oui, on peut le faire chez soi. Au lieu d'attendre le Hayat des Comores. En fait le Hayat c'est du beurre clarifié, c'est la marque du beurre clarifié que tous les Comoriens aiment. Donc on le fait venir du pays. Mais là, je vais vous montrer qu'avec du beurre, on peut faire son propre beurre clarifié. Pour réaliser la recette, il vous faudra du beurre de table. Là, j'ai 500 g en tout. La marque n'a vraiment pas d'importance. J'ai pris du président, mais vous pouvez choisir la marque que vous voulez. On va mettre le beurre dans la casserole. Ensuite, on va faire fondre tout ça sur feu doux. Donc voilà, on va laisser fondre tout doucement sur feu doux. Donc voilà, ça fond tout doucement. On voit les particules du lait sur le dessus. C'est ce qu'on va enlever en fait. Donc là, on voit bien le lait qui est au-dessus. On va passer le tout au tamis. Il faudra faire avec un filtre à café de préférence, c'est mieux. Mais j'en ai pas. Attends, je vais essayer de mélanger avec une spatule en bois pour pouvoir enlever tout ça. Tout est fondu. On va laisser une bonne dizaine de minutes pour que tout soit bien séparé. C'est tout bête et tout simple, c'est pas compliqué à faire. Donc là on voit bien que ça commence. On voit bien que ça commence là le déclarifié. Maintenant, on va passer le tout au tamis. Donc voilà, ça prend forme. Là, c'est bon. J'éteins le feu, je laisse tiédir. Ensuite, on va le passer au tamis. On passe le tout au tamis. Regardez ce qui reste sur le fond de la casserole, c'est pas joli à voir, c'est que du gras. On va encore repasser au tamis. J'espère que le bol il est costaud. Donc voilà notre beurre clarifié. On va le mettre dans des bocaux et on va le conserver comme d'habitude. Ça va se solidifier après. Donc voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, surtout de partager les vidéos et d'activer la cloche pour ne rater aucune recette. Ciao, ciao, à la prochaine pour de nouvelles recettes. Voilà. On va le laisser solidifier. Ensuite, on va fermer, le conserver 5 à 6 mois comme d'hab. Vous pouvez soit le garder au frais ou le laisser comme ça.